Leur nom, immatriculation master SVE, spécialité CAH. Comme beaucoup d'autres jeunes de leur époque, ils furent partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la grande bataille de la réussite. Ceci en est l'histoire. Premier jour de la première année. Nous, les nouvelles recrues du bataillon licence de biologie, débarquèrent à l'arrêt Tournebride. Enrôlés par choix ou parce qu'on ne savait pas quoi faire d'autre, ce jour marqua pour nous le début de nombreuses années de lutte et d'acharnement. C'est ici, à Rennes 1, que s'est déroulé le cœur du combat. Le bâtiment administratif, lieu de passage obligatoire pour toute personne qui se lançait dans la bataille. En haut des marches, le grand hall, par lequel on accède aux amphithéâtres. Nous ne comptions plus les heures de concentration et d'endoctrinement. La compétition était rude. Comme en témoigne le nombre de nos fidèles destriers, nous étions encore beaucoup à participer à la bataille. Les plus stratèges d'entre nous se rendaient régulièrement à la BU, afin de réviser leurs tactiques de combat. C'est après la section licence que nos troupes commencèrent à diminuer. Seuls certains prirent la route qui mène au bâtiment 28 et au grade de master. Ce bâtiment, au cœur du campus de Beaulieu, abrite encore aujourd'hui des salles d'examen et de nombreux amphithéâtres. À ce stade de la bataille, les places étaient chères. Et certains, sous la pression croissante, appliquaient une tactique particulière. Ils dormaient sur place. Mais l'escadron Master SVE savait aussi s'amuser. Il n'était pas rare de les retrouver dans le coin du Diapason, centre culturel et sportif du campus. Enfin, il fallait bien nourrir les troupes. Les étudiants se ravitaillaient ici, aux rues étoiles. La légende raconte qu'une des branches de l'astre aurait été dérobée et placée à la station biologique de Pimpon. Perdu au milieu de la forêt de Brocéliande, ce haut lieu de la recherche universitaire n'est accessible qu'au grade de thésard. Mais ceci est une autre histoire.